Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisque c'est la première sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc c'est une journée dans mon assiette. J'ai pas mis que les assiettes, j'ai mis un petit peu mes bouts de journée parce que sinon je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc voilà, j'ai voulu inclure un petit peu le reste de ma journée, on va dire. Mais sinon je vous ai filmé vraiment mon petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est des repas que je ne mange pas bien sûr tous les jours, hein, c'est très varié. Donc si vous voulez d'autres journées dans mon assiette, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Donc comme vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses ce matin, mais j'avais une faim de loup, donc du coup c'est vrai que voilà, j'ai pris un petit peu plus que d'habitude, hein, puisque mon déjeuner est assez varié, je prends pas tout le temps la même chose. Donc en tout cas, je commence toujours le matin par un fruit, parce que j'adore ça, que je peux pas me passer de fruits en une journée. Donc là il s'agit d'une nectarine jaune, mais je peux très bien prendre une banane, une pomme, voilà, c'est assez varié au niveau des fruits. Là il restait un petit pain à griller, donc du coup je l'ai mis à griller. Et comme je vous ai dit, j'avais très très faim, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pain de mie et j'ai pris du Nutella. Mais bon, voilà, il fallait vraiment que je mange, j'avais très très faim et après il faut tenir jusqu'à midi. Donc voilà, je me suis bien rempli l'estomac. Et maintenant que mon petit pain est chaud, je mets un petit peu de beurre dessus. Je vais attendre qu'il fonde parce que c'est meilleur. Et au niveau du jus, j'ai pris du jus de pomme. Pareil, c'est assez varié. Ça peut varier entre le multivitaminé, le jus d'orange, le jus de pomme. Voilà, je prends un petit peu de tout le matin. Donc ce que je fais après le petit déjeuner, je m'attaque aux tâches ménagères parce que oui, il faut bien le faire un peu tous les jours. Ensuite je vais à la douche et aujourd'hui j'avais décidé de prendre un bon bain pour me détendre, me relaxer et profiter de quelques moments avec bébé. Et bien sûr il sera déjà midi, donc c'est l'heure du repas. Donc pour ce midi, vu qu'il fait très très chaud dehors, que j'ai du mal à supporter la chaleur depuis que je suis enceinte, j'ai décidé de me faire une petite assiette fraîche, donc avec de l'endive, des tomates et des concombres. J'ai mis un petit peu de vinaigrette et bien sûr j'ai rajouté un petit peu de dés de fromage, mais j'adore ça. Et pour le dessert, j'ai décidé de prendre un yaourt à la mangue et bien sûr encore une nectarine jaune, mais j'adore ça. Donc toute l'après-midi, j'ai fait des montages vidéo parce que j'ai plein de vidéos d'avance et il faut vraiment que je fasse le montage. Et le soir même, on avait du monde à manger, donc je me suis mise vite au fourneau, donc c'est parti. Donc en légumes, j'ai donc coupé des petites tomates en dés comme vous avez pu le voir et aussi une courgette. J'ai mis également un demi-oignon, j'ai mis un filet d'huile d'olive et j'ai mis tout ça à cuire. Et comme tout le monde n'aimait pas les légumes, j'ai mis aussi quelques petites frites, comme ça tout le monde était content. Et c'est parti pour le barbecue! Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je ne mange pas tous les jours la même chose, donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, mettez un petit pouce vers le haut et dites-le moi en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et à bon appétit, bye bye!